Bonjour à tous, ALS Servus, salut, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Albion Online. Alors j'ai pas quasiment pas avancé avec ce personnage qui est Nitael. On va jouer un peu ensemble, on va faire sous forme de let's play avec des... Je vais essayer de vous expliquer les choses au fur et à mesure. Je n'ai quasiment rien changé sinon que j'ai fabriqué une faucille qui me permet donc de ramasser les tissus T2 puisque la faucille est T1. Puisque les outils permettent toujours de ramasser un tiers au-dessus de leur tiers à eux. Je vais essayer d'être clair et de ne pas trop vous abreuver d'informations. La mission que j'avais prise, elle s'est terminée, donc je ne peux pas la terminer, je ne peux pas la continuer. Donc là, je choisis soit un fufu, soit un soin. Je vais prendre le soin et je vais augmenter ma vitesse de déplacement. Hop, me voilà équipé d'un plastron T2. Et on va prendre une troisième... On va faire des bottes. Où là... On peut augmenter de... 50% la vitesse pour 7 secondes. Et on va prendre la vitesse augmentée. Durée du CC. Augmente votre résistance. Augmente votre capacité maximale de 12 kg. J'hésite entre les deux pour tout vous dire. Je crois que je vais prendre la rapidité de déplacement. Voilà qui est fait. Et en armes, on va déjà équiper ce qu'on a là. Je les ai pas crafté. Ah bah je les ai équipés automatiquement. Voilà. Donc en armes, j'ai bien envie de me tester au bâton. Donc il me faut 16 bois et 8 barres en cuivre. Pour l'instant, je n'ai qu'une épée. Bon, maintenant vous voyez que les compétences sont apparues sur le côté. On va aller là. Youp. Donc chaque map est instanciée par rapport à la suivante. Enfin, instanciée, non. Mais elle génère un chargement. Donc on sort de ville, on arrive dans une map. Là, nous sommes sur la map de Foxvale, ce que vous voyez là, en bas. Et si je vais sur la map en elle-même, vous verrez que c'est une map où il y a du T2 en grande majorité. Donc en bois, en pierre, en cuir, en coton, enfin en tissu. Et en minerai, il y a quasiment que du T2. Et on est dans une zone verte, c'est-à-dire une zone safe. Vous pouvez voir ici qu'il y a 10 personnes sur la map, puisque vous avez Amical 10, donc il n'y a que 10 personnes sur la map. Ce qui me va très bien pour le moment. Donc on va ramasser des ressources. Le but c'est d'en avoir 36. De bois, en tous les cas. Mais il me faut du bois de T2. J'ai fait une bêtise en fait, puisque voilà, le bois T2 c'est le boulot. Donc bien entendu, j'ai pas fait de hache. Vous voyez que, allez, on va faire une petite course. On va devoir retourner en ville pour faire une hache. Puisque pour ramasser le T1, vous n'avez pas besoin d'outils, mais pour ramasser les niveaux supérieurs, il faut des outils. Ben, c'est qui lui? Ah, il vend des... Il permet de crafter des montures. Bon là j'ai pas d'argent, c'est la misère, là il doit y avoir un hôtel des ventes. Non, c'est une station de réparation. Bon, on va parler tiens de la station de réparation qui est celle-ci est de compagnon, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'au T3 normalement. Donc le premier onglet c'est pour réparer les objets. Donc là pour l'instant ça me coûte rien. Je vous conseille, si vous jouez à ce jeu, de réparer tout ce que vous pouvez le plus rapidement possible. Le deuxième bouton permet de recycler les objets. Regardez, ça je ne l'utilise plus. Je peux récupérer entre une et deux peaux de lapin. J'en ai 9, donc j'en ai récupéré 2. Ici, même chose. Ça me permet de recycler en fait les items et de récupérer une partie de ce que j'ai utilisé. Là, vous avez reforgé. On va prendre mon plastron, on va le mettre ici. Je peux changer les compétences. C'est-à-dire, si j'estime que mes compétences sont pas... Je me suis trompé, je peux changer. Et raffiner me permet d'augmenter la qualité d'un objet. Donc, dépenser de l'argent pour que le réparateur tente d'améliorer la qualité de l'objet. Plus la qualité de l'objet est faible, plus il a de chances d'être amélioré. Là, j'ai quasiment tout... Vous voyez, ici, c'est crafté en normal, qualité normale. Vous pouvez voir que le plastron, lui, est en qualité... Elle doit être écrite au-dessus. Non. J'arrive pas à... Ah, voilà. Eh ben,
J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Bon, il est en qualité excellente. On n'arrive pas à le voir, mais il est en qualité excellente. L'objectif à terme, c'est vraiment de d'avoir le maximum de qualité. Donc là, je peux acheter des choses puisque c'est un HV, en sachant que chaque ville a son hôtel des ventes personnel. Donc là, j'ai la possibilité d'acheter des accessoires, d'acheter des ressources, d'acheter absolument tout ce que je veux. Mais comme j'ai pas de sous, le problème est résolu. Là, c'est le crafteur d'outils. Je vais donc crafter. Est-ce que je peux utiliser le T2? Non, pas encore. Vous voyez, je peux pas encore l'utiliser. À part la masse de dépollution, et ça, on verra ça plus tard ou dans un autre épisode. Donc, allons-y. Donc, en ressources, vous voyez qu'il me faut 3 bois et 13 pierres. Hop, je me suis fait une hache. Donc là, pour le moment, j'ai tous les outils nécessaires. Si vous regardez ici. Non, il me manque la masse de pierre. La masse de pierre permet de ramasser des pierres, comme son nom l'indique. Donc tout ça va me permettre de ramasser du T2. Ici, au centre de chaque ville, vous avez un coffre. Ce coffre vous est personnel, il peut tenir jusqu'à 10 000 kilos, donc 10 tonnes. Je vous conseille vivement, à chaque fois que vous partez pour farmer des ressources, d'y déposer le maximum de choses pour limiter votre poids. Par contre, il y a une chose que je vais faire, c'est garder du cuir et voir un peu avec du tissu, mais normalement il me faudrait 8 tissus. Je vais essayer d'avoir 8 tissus. Ah bah là on peut miner. Alors c'est vraiment la ville de départ, hein. Sinon vous n'avez jamais de minerai en ville. Je vous le dis tout de suite, le minerai va falloir le chercher. Donc là je vais ramasser un peu de coton. Alors sur chaque ressource à partir du T2, vous avez 15 ressources par pied, ou par spot. Ces ressources se régénèrent avec le temps. Donc quand elles respawnent, elles sont à 3, et puis avec le temps, elles passent à 4, 5, etc. etc. Il faut savoir que vous gagnez de la renommée à chaque fois que vous faites ceci. Et si vous êtes sur un compte premium, d'ailleurs, tiens, je vais faire une folie puisqu'on est en pré-release. Je vais aller dans la boutique. J'ai pas besoin d'or. Non, ça c'est de la vente d'or. Voilà, je veux être en premium. Alors, un jour ça me coûte 200 pièces d'or, 3 jours 550, 7 jours 1100, 30 jours 2500 pièces d'or. Là, ça me permettra d'être en premium pendant un mois. Donc je peux l'acheter soit avec des silver. Donc vous voyez que vous pouvez être en premium sans avoir d'or et sans acheter quoi que ce soit. Donc j'achète avec de l'or. Voilà. J'ai 30 jours en premium. Donc ce personnage est devenu premium. Voilà, donc j'ai récupéré des bonus et des points d'apprentissage. Points d'apprentissage que vous n'avez qu'en premium, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Donc on continue de ramasser un peu de tissu qu'on va raffiner dès qu'on peut, puisque le raffinage se trouve juste là. Donc là, vous avez bien compris, on ramasse du T2. Donc on est gentiment en train de passer au tiers supérieur. Donc je continue, j'arrive ici. Alors ici vous êtes sur l'atelier de tissage du compagnon, donc il s'arrête au T3. Puisque compagnon c'est le T3. Là vous avez aucune possibilité de le faire puisque ça appartient, mais ça je vous l'expliquerai plus tard les bâtiments. Et là je vais raffiner donc mon tissu, donc mes fibres de coton en tissu, je sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle morceau de tissu. Voilà, c'est pas très compliqué. Le but étant, si ça avance assez vite, hop, voilà, donc j'ai récupéré à nouveau de la renommée. Le but étant, ici à la station de fabrique d'outils, d'aller dans les accessoires et de me crafter un sac. Ce sac va me permettre de porter 24 kg de charge en plus. Hop, il est crafté. Et en plus, je l'ai eu tout de suite en qualité excellente. Donc vous voyez, au lieu d'avoir 24, j'ai 27 kg. Et je vais me crafter aussi une cape. Alors, l'avantage du cap, c'est qu'elle diminue les contrôles. C'est-à-dire, si vous êtes ralenti, etc., etc., ça ira moins vite avec une cape. Là, par exemple, j'ai résistance au CC plus 10. Bah, elle est aussi en qualité excellente. Voilà, donc mon objectif est toujours le même, c'est d'aller de me faire un bâton.
Je me demande ce qu'il y a comme autres armes ici disponibles. En T2, je serais obligé de me battre avec une épée et un bouclier. Et franchement, j'ai pas envie. Donc on va faire cuire bâton. On verra bien ce que ça donne, si c'est bien. Non, on m'invite dans une guilde, mais je veux pas y aller. Donc il me faut 16 bois T2. Donc 16 bois et 8 cuivres. Donc du bois, j'en ai pas encore. On va faire une petite accélération. Hop. Donc on va retourner là où on était tout à l'heure, maintenant qu'on a tous les outils nécessaires. Poum, poum, poum. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, on a 4 sur 15 ici, donc on ramasse 4 morceaux de bois. Il y a encore du bois ici. Alors on est vraiment dans notre safe. En plus il n'y a pas grand monde. Je vous dis 12 personnes sur le sur la map. C'est vraiment très très peu. Ah, et là vous avez des PNJ avec lesquels je peux combattre. Ce que je vais faire d'ailleurs pas plus tard que tout de suite. Donc vous voyez, il est T2 comme moi. Et il y a un soigneur derrière. J'avais pas vu. Donc mon objectif va être de focus ce soigneur. Voilà, il est mort. Donc il permet de lâcher des pièces d'argent. Voilà. Alors, il y a des taxes. Il faut savoir que cette map-là n'est pas concernée parce que... Sur une map, normalement, il y a des territoires. Ces territoires peuvent être détenus par des guildes ou des alliances de guildes. Et que ces guildes peuvent choisir de prélever une taxe. Je vais me soigner. Il faut savoir aussi... Là, on est en zone verte, donc on ne risque absolument rien. Personne ne peut nous attaquer. Vous voyez, celui-là, s'il voulait m'attaquer, je ne peux pas. Le PVP n'est pas autorisé dans ces zones-là. Ce qui n'est pas plus mal sur une zone de départ. Donc bon bah tiens, je vais l'aider. Voilà, il est mouru. Et je récupère de l'argent. Faut savoir que là on n'utilise pas. Enfin c'est pas la source d'argent, n'est pas en tuant des mobs. Parce que vous allez jamais en gagner assez pour vous deux. Voilà, j'en ai tué 3, j'ai gagné 144. C'est pas avec ça que je vais faire fortune. Si vous voulez de l'argent dans le jeu, il faut vendre des items, il faut aller à l'hôtel des ventes. Il y a une vraie économie et il faut vraiment la respecter. Voilà, je suis passé collecteur en herbe. Donc ce qui me permet d'utiliser la faucille T2, des outils T2. D'ailleurs, il n'y a que la faucille pour l'instant. Vous pouvez remarquer aussi que, vous voyez que j'ai utilisé une armure T2. Donc cette armure, à chaque fois que je combats avec elle, j'augmente ma capacité à passer à l'armure supérieure. De même que là, vous voyez, à chaque coup que je coupe des arbres, je gagne des points de... je vais plus trouver le mot. Des points de compétence, des points de renommée, voilà, sur ces armes. Donc là, pour l'instant, la seule chose qui me manque, c'est du minerai. Donc je vais essayer d'en trouver quelque part. Touk, 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 touk. Bon, là, il y a du tissu, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Du minerai, s'il vous plaît. Il n'y en a pas trop ici. Bon là il y a de la pierre mais on s'en fout. Ah là vous avez de la pierre T2. Donc je vais la ramasser. Ça n'a pas trop d'utilité pour le moment. Mais ça va très vite être utile. Là il y a du minerai. Alors est-ce que celui-là il peut être miné? Faut attendre que ça repop. Alors des fois la caméra permet pas de trop voir... ce qu'on voudrait. Donc il me fallait 36 bois. Est-ce que je les ai? Largement, j'en ai 71. Du minerai, s'il vous plaît. Eh ben voilà, là, il y a ce qu'il faut.
Donc vous voyez qu'en premium, voilà. Donc typiquement, j'ai gagné de la renommée en plus et j'ai gagné des ressources en plus. Parce que je suis premium. C'est-à-dire que là, je dois en récolter 4. J'ai récolté 60 points plus 30. Et là, ça n'a pas marché, mais je vais vous le montrer parce que ça ne marche pas à chaque fois. Là, par exemple, j'ai récupéré en bonus premium 4 minerais de plus au lieu de 4 seulement. Je vais récupérer le cuir, là. Donc pour l'instant, on augmente assez vite nos compétences. Mes compétences de combat, ils marchent aussi quand je tape sur des renards. Comme vous le voyez, je continue à monter. Je vais attendre qu'il meure. Je vais l'aider d'ailleurs. Voilà. Je suis passé à 720. Donc là, hop, 45 plus 22 et 3 pots de renard. Là, ça va faire 45 plus 22. Et 3 pots de renard en premium. Vous voyez qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais presque à chaque fois, on a un bonus. Faut savoir aussi que depuis la sortie du jeu, le nombre de... Enfin, le repop des ressources a été augmenté de 300%. Parce que devant le succès du jeu, eh ben, il n'y avait pas assez de ressources et les gens passaient leur temps à attendre pour pouvoir miner, pour pouvoir récupérer les ressources dont ils avaient besoin pour évoluer. Donc comme quoi ils sont réactifs, ils ont déjà commencé à changer des choses. Vous pouvez remarquer aussi que mon sac est à 103%. Je suis en surpoids. Donc, ressources épuisées. Je vais ramasser ça. Je vais attendre encore un petit peu. J'ai pas besoin de bois. Si je pouvais retrouver encore un petit peu de minerai, ce serait bien. Hop, hop. Puisque je vais vous montrer quelque chose. Sinon, c'est pas grave, je prendrai de la pierre ou du bois. Voilà, et bah, le message vient de s'afficher. Le fait que je sois en surpoids me fait avancer plus doucement. Et ça peut aller jusqu'à ce que je ne puisse plus bouger. Ce qui serait, étant donné que j'ai pas de monture, ce qui serait très handicapant. Donc là, je n'ai pas d'autre choix, si je veux pouvoir ramener à la ville ce que j'ai récolté, j'ai pas d'autre choix que de rentrer. Ce qui est bien dommage. D'ailleurs, tant pis si je me ralentis un peu, mais je vais reprendre un peu plus de cuivre. Allez. Vous voyez, je suis à 116%. Je vais commencer à être vraiment ralenti beaucoup. Là, je suis à 118. On va ramasser ça en plus, histoire de bien vous montrer. Ça doit être 125, donc on va aller jusqu'à 125. Bon, on n'est pas encore à 125, je vais ramasser un peu de pierreté. Hein. Voilà. Je suis à 127. Donc vous voyez par contre les ressources T1. Pour la pierre c'est sur 4, le bois c'est 2. Ça je vais le ramasser aussi, je peux encore avancer. Tant que je peux avancer, je peux ramasser. Si j'arrive à un point où je ne peux plus avancer... Oh, il y a encore du minerai ici. Alors voilà, tout l'intérêt du jeu c'est de ne pas être trop gourmand comme je le suis là. Là je suis trop gourmand. Donc vous voyez, là je suis à 133%. Je vais commencer à être vraiment ralenti. Vous voyez que je vais vraiment moins vite. Mais bon, ce qui est pas bien grave parce que je suis tout près de la porte. D'ailleurs, on va utiliser un peu d'accélération. Mais là, objectivement, voilà, si je continue encore, je vais être complètement bloqué, je pourrais plus bouger. Donc l'intérêt du jeu deviendrait plus que relatif si je suis coincé avec des items dans mon sac et que je peux pas avancer. Lui, vous voyez, il est comme moi, surchargé. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'aller raffiner notre récolte. Donc il faut bien voir que là, aujourd'hui, vous voyez, on monte notre récolte. Mineur de minerai, je suis à 900 sur 14400. Donc quand j'atteindrai 14400, je vais vous montrer, je pourrai utiliser la pioche de niveau supérieur. Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, la pioche T3, ce que je peux pas utiliser pour l'instant. Donc vous voyez, plus je mine avec un outil, plus je me donne de possibilités d'utiliser l'outil de niveau supérieur. Il y a des choses peut-être à pas raffiner là-dedans. Déjà le cuir T1, il va partir à mon avis assez vite à la poubelle. La pierre, on va garder. Le cuir, on va le garder aussi. On va tout garder sur soi, c'est pas grave. Déjà on va raffiner ici. Le minerai, c'est pas grave, on est ralenti, mais l'objectif n'était pas de faire la course au départ. Donc on va pouvoir fabriquer
des barres en cuivre. Si je voulais utiliser mes points de focalisation, vous voyez, j'ai 3825 points qui se régénèrent. Voilà, fabriquer à l'aide de la focalisation augmente le taux de récupération de ressources et les chances d'obtenir un objet de meilleure qualité. Votre focalisation se régénère avec le temps, même lorsque vous êtes hors ligne. La récupération est améliorée avec un camp premium. Donc si j'active ceci, vous voyez, j'ai 10% de ressources en plus. Je ne l'active pas parce que ces points-là me serviront beaucoup plus tard. Et ils seront beaucoup plus importants quand on sera sur des niveaux de craft supérieurs. Vous imaginez bien que du T2, vous avez vu la facilité pour le ramasser. Quand ce sera du T6, je serai bien content d'avoir 10% de ressources en plus. Donc autant augmenter tout de suite mon nombre de points. Donc c'est parti. Bon, je vais vous épargner ça et je vous retrouve dès que j'ai raffiné tout ça. Voilà qui est fait pour la majorité. Donc je voulais vous montrer d'abord, là on est sur l'atelier de pierre du compagnon, donc qui me permet de raffiner la pierre. Parce que la pierre a une particularité. C'est que pour raffiner de la pierre au niveau 2, il me faut de la pierre niveau 1. Ce qui n'est pas le cas pour le bois, je vais vous montrer après parce que j'ai gardé un peu de bois pour vous le montrer. Donc je vais raffiner ça. Mais il me faut la pierre du T1 pour raffiner le T2. Et vous verrez plus tard que pour raffiner le T3, il me faudra du T2. Mais ça, ce sera pour toutes les ressources. La seule ressource qui nécessite le T1 pour raffiner le T2, c'est la pierre. J'espère que j'ai été clair, mais je vais vous montrer avec le bois, vous allez comprendre tout de suite. Donc j'ai ramassé un peu de pierre T1 pour en avoir autant l'un que l'autre, histoire de ne pas avoir de ressources qui traînent dans le vent. Voilà. De même que vous voyez, bah, ça baisse le poids que je porte, puisque comme j'ai changé deux blocs contre un bloc, par contre vous voyez que les planches, pour faire du T2, je n'ai besoin que de T2. Par contre, pour faire du T3, pour le bois comme pour les autres ressources, il me faudra du T2 plus du T3. D'où donc la difficulté va monter au fur et à mesure. En craftant de la même manière, j'ai débloqué ceci, ce qui me permet d'utiliser des montures T3, donc soit un cheval qui me permet de me déplacer plus vite, soit un bœuf qui ne me permet pas spécialement de me déplacer plus vite, mais qui me permet de transporter beaucoup plus d'items. Et je peux de la même manière utiliser un sac, voilà, ou une cape de niveau 3, que pour l'instant je n'ai pas. Mais mon autre perso se chargera de me les donner. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? Donc tout ça c'est fait. On va se donner un petit boost. Donc là on commence à avoir pas mal de ressources en bois, en pierre, en minerai. Bon, ça devient pénible, les invitations de guild. Et donc là je vais me crafter un bâton de feu de l'apprenti. Donc les sorts. Carreau de feu, un carreau de feu qui affiche 139 points de dégâts à un ennemi et qui l'enflamme pour lui infliger 13 points de dégâts par seconde. Et là, c'est enflamme instantanément un ennemi, lui infligeant 125 points de dégâts magiques et qui lui font subir 35 points. Voilà, donc normalement, ça devrait être sympathique. Bon, je l'ai fait en qualité normale. Comme j'ai un peu de sous, je vais en profiter d'avoir un peu de sous. Il est là. Je vais aller voir le monsieur ici. Non, c'est pas lui. Bon, ça, vous allez beaucoup vous promener au départ. Hein. Je crois que c'est lui. Voilà. Hop, voilà. Donc, je vais me proposer de raffiner mon bâton. C'est-à-dire d'augmenter sa qualité. Il va me demander 32 pièces de silver pour ça. Je teste, ça n'a pas marché. Je reteste, ça n'a toujours pas marché. Une troisième fois, ça marche pas. C'est la dernière, j'ai pas pu le faire. Par contre, vous êtes d'accord que ma pierre T1, ceci je peux le recycler, j'en ai plus l'utilité. Non, pour le recycler, bah voilà. Je peux le recycler, même usé. Par contre, pour raffiner, il faut impérativement avoir réparé avant. Donc mon bâton il est toujours du même niveau, tant pis. On va retourner, on va déposer dans le coffre tout ce qu'on a déposé. Donc du cuir, de la pierre, ah bah il me reste une pierre, du tissu, encore du cuir mais du niveau supérieur, du bois, hop, je garde le bois même de niveau 1 parce qu'il nous servira beaucoup plus tard, mais il nous servira. Alors, moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est avoir déjà un sac T3 qui me permettra de porter plus. Donc si je demande un sac des accessoires en T3, vous voyez que ça coûte déjà 450 pièces de silver. Et ce que j'aimerais aussi avoir, c'est une monture. Si je veux un cheval, ça coûte 1600 silver. Si je veux ce qu'on appelle un ox ou un bœuf, ça me coûte 1800, 1749.
Mais heureusement, j'ai ça en stock chez LSR. Donc ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on ne peut pas s'échanger d'items les uns avec les autres, c'est que je fasse pas de bêtises, c'est que je vais me rendre dans une grande ville, celle-ci, qui s'appelle Kingspool. D'ailleurs, je vais en profiter. Laissez-moi te faire, hop, pour transporter un maximum d'items. Parce que à l'autre ville, je retrouverai donc le même coffre, mais dans ce coffre, ça, j'en aurai pas besoin. Je vais essayer de pas trop me charger. Enfin, de me charger, mais. Alors, pour un de bois, je vais peut-être pas m'enquiquiner. Je suis à 95, donc je suis pas ralenti. Voilà, je peux tout transporter. À la limite, je peux l'emmener, mais ça me servira à rien. Donc, je vais le laisser là. Ça me servira absolument à rien. Le cuir de lapin ne sert absolument à rien. Vous pouvez crafter que du stuff T1 et ça n'a aucune utilité. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est traverser cette map. Donc vous voyez que là où vous voyez des panneaux jaunes, c'est les endroits où je peux aller. On va tester le bâton, tiens. Ah, il y a une incantation. C'est assez efficace quand même, hein. Je sais pas si vous avez vu. Bon, là j'avance déjà un peu plus doucement. Je suis à 101%. Donc je vais balancer le bout de bois que j'ai pour redescendre à 100. Ah non, c'est pas suffisant. Donc vous voyez, il y a des PNJ, donc on va les éviter. Mon but pour l'instant n'est pas d'aller au combat, mais de traverser les maps. Et je vais vous garder. Alors là, vous voyez, je me serais fait un plaisir de ramasser tout le cuir. Mais comme je suis déjà chargé, je vais éviter. Un petit boost tant qu'on l'a. Hop, 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 hop. Il y a un camp de PNJ. Si je m'en prends 3 sur la tronche, je vais pas survivre. Les PNJ sont loin d'être aussi faciles à battre que. Ouais, j'ai pris une route n'importe comment. Bon, c'est rien, on va longer par là. Vous voyez, là aussi, on a du T2 sur la map. D'ailleurs, si je fais M pour aller sur la map, vous voyez qu'il y a du T2 sur cette map. Et qu'on est en map non hostile et qu'il y a 18 personnes actuellement. Alors faut savoir que tout le raffinage et tout ça sont gratuits du T1 au T2, quelle que soit la boutique que vous utilisez ou l'atelier que vous utilisez. Pour passer au T3, ça peut devenir payant. Je vais vous montrer ça dès que possible. Je ne veux pas vous épargner ça parce que je veux que vous voyez que tout est long, y compris les déplacements. Quand j'aurai une monture, ça ira un tout petit peu plus vite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Mais pour l'instant, comme j'ai pas de monture, c'est très très long pour aller d'un point à un autre. Yop, yop, yop. Voilà, je vais pouvoir passer à la map suivante. Et vous pouvez voir que les maps sont quand même assez étendues. Hop. Bon, votre but très rapidement va être de trouver des. Voilà, l'ox là par exemple lui permet de se déplacer beaucoup plus rapidement. Je vais encore aller en face. Je vais éviter. Alors, sur la map, vous voyez ce point vert au milieu? C'est un donjon solo. Si le point est vert, c'est que vous pouvez le faire tout seul. Si le point est bleu, c'est que c'est à faire par équipe. Après, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Là, par contre, vous voyez qu'on attaque. Là, il y a du T2 et juste à côté, vous voyez du minerai de T3. Donc, si je fais M sur la map, il me dira ici, c'est une map T2, T3. Donc, il y a toujours les renards. Je vais essayer de passer au travers. Ça ne devrait pas être trop dangereux. La seule chose que je crains, c'est de tomber sur un loup, mais là, je devrais pouvoir le tuer. Voilà, vous voyez, là il y a un loup qui a été sauvagement assassiné. Tiens d'ailleurs, est-ce que je peux dépecer les loups pour avoir du cuir T3? Non, vous voyez, il me faut un couteau à dépecer T2.
Et là, actuellement, mes outils sont T1. J'espère que c'est clair pour vous, hein. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me demander plus de renseignements. Ils sont tous tout nus, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me demander plus de renseignements dans les commentaires. J'essaierai de développer les points qui me seront les plus demandés. Donc là, on va arriver à Kingspool, qui est une grande ville, qui est une grande ville de la région. Et ça va être notre base opérationnelle, dirons-nous, pendant un bon moment. On pourra savoir qu'ALSR est toujours sur cette base opérationnelle, puis à mon avis, il y a encore pour un bon moment. Hop. Alors vous voyez par exemple le joueur qui est ici. Il fait partie de la guilde, comme ça vous pourrez lire un peu. Son nom c'est Fenes. Il fait partie de la guilde la Consortium Horizon. Et il fait partie de l'alliance Chaos. Une alliance, c'est une alliance de plusieurs guildes pour le joueur contre joueur. Et entre autres dans les zones jaunes et dans les zones rouges et dans le GVG, c'est-à-dire le guilde contre guilde. Voilà, donc par exemple ce joueur-là, il n'a pas d'alliance, celui-là il a une alliance qui s'appelle Braz. Et là, bébé. Voilà, nous rentrons dans Kingspool. Les temps de chargement sont plutôt rapides, donc ça fait plaisir. Bon, il y a quelques petits lags, si vous remarquez que par exemple ici, il y a 155 joueurs. Et là, vous allez voir des niveaux de stuff aléatoire. Là par exemple vous voyez cet ox là, c'est un T6. Je le reconnais à sa couleur entre autres. Donc ici je vais redéposer dans mon coffre toutes mes cochonneries. Là, je vais remettre dans le bon sens. Le cuir, le tissu, le bois et la pierre. Et il me reste encore 10 cuirs à raffiner. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous le montrer, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour vous. Ici, j'ai la possibilité, par ce personnage-là, d'acheter une île. Une île, je vais vous le montrer sur ALSR, je ne vais pas le faire pour elle tout de suite. Ou vous pouvez aller sur une île de guilde, si vous avez une guilde. Parce que si j'utilisais, mais ça je le développerai aussi dans une autre vidéo, sur la map, si je voulais utiliser par exemple ce magasin-là, pour faire du bois, c'est un magasin qui a été acheté par une guilde ou par un joueur. Vous voyez, c'est Argael qui l'a acheté. Et il y a une taxe de 90%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voudrais crafter quelque chose, je devrais payer. Ce qui n'est pas mon intérêt. Donc ce que je vais faire... hop, si j'y arrive, voilà. Je vais faire une déconnexion. Donc je vais revenir sur l'écran titre du jeu. Alors, il y a toujours 10 secondes en ville et 60 secondes en zone PVP, je crois. Jaune ou rouge. 60 secondes de temps de déconnexion. Je vais me reconnecter. Excusez-moi si la musique va un peu fort. Je vais accéder au monde. Et là par exemple, vous voyez, je suis sur l'île de Guild. Avec un certain nombre de joueurs de la Guild. Ce que je vais faire, c'est aller sur mon île. À moi. Hop. Donc c'est gratuit, hein. De Kingspool ou de mon île de Guild, c'est gratuit. Donc... ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais dire le propriétaire c'est moi, là c'est mon fils et un ami. Donc je vais rajouter Nitael, qui aura donc accès à mon île. Ok. Dans cette île, vous voyez que j'ai déjà commencé à crafter certaines choses. Donc je vais la... hop. Donc droit d'accès, lui il est public, donc c'est très bien. Et là aussi, je crois que c'est public. Donc c'est très bien. Donc ça, je reviendrai aussi sur l'île et sur une autre vidéo. Tenez pas compte de ce que vous voyez là maintenant. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai monté mes boutiques de manière à pouvoir crafter du tissu jusqu'au T3. Et normalement, le cuir... jusqu'au T4. Donc là, pour le cuir et le tissu, elle est tranquille, Nitael. De la même manière, je vais lui donner l'accès à ma maison. Enfin, à une de mes maisons, puisque j'en ai deux. Droit d'accès, copropriétaire, Nitael. Ok.
je vais pas lui donner accès aux champs pour l'instant parce que ça n'a aucun intérêt. Il y a des champs là derrière, mais ça aussi je vous l'expliquerai. Ça c'est la deuxième maison. Droit d'accès. Là elle est en privé. Je vais personnaliser. D'ailleurs j'ai même pas mis mes. Je vais mettre. Ça c'est les personnages de mon fils. Ça, c'est mon pote. Et j'en rajoute un dernier. Ok. Et dans la maison qui est là. Mais vous inquiétez pas, ça devient de plus en plus compréhensible. Je vais lui donner accès à ce coffre, par exemple, où vous voyez, j'ai du T4 et du T5. Ok. Ok. Hop. Et à ce coffre-ci, où là, il y a des montures T3. Donc là, vous voyez par exemple que j'ai un ox qui est en qualité chef-d'œuvre. Là, il est en qualité normale. Et là, l'âne, c'est parce que j'ai parrainé quelqu'un et le premier parrainage vous donne un âne. Et là, j'ai un cheval en T5 et un cheval en T4. Et moi, j'ai un ox en T5. Donc, hop, c'est pareil, ajouter copropriétaire. Ok. Et là, je vais en profiter en même temps, pendant que je suis là. J'ai pas eu le temps de remplir tous les bouquins, mais c'est pas grave. Là, ce sont mes ouvriers. Je vais tout prendre d'un coup. Je vais lui remettre un livre. Donc lui, il va aller me farmer du cuir T2. Et lui aussi. Non, ça c'est un tissu. Voilà. Voilà. Donc ils sont repartis farmer. Je vous explique pas pour l'instant, je profite simplement de l'occasion parce que je connecte à Elessar. Pour faire le tour, là ce sont les moissonneuses. Elle, je peux lui remettre un bouquin puisque j'en ai un. Et elle, je peux pas lui remettre de bouquin parce que j'en ai pas. Donc si je peux pas lui remettre un bouquin entamé, il faut que je remette un bouquin complet. Voilà. Donc pour l'instant, elle ne fait rien. C'est pas grave, je vais régler ça au plus vite. Sur votre île, vous avez des ressources. Mais c'est que du T1. Donc il n'y a que des pierres et du bois. Et donc là, Nitaël a accès à tout. Ce que je vais faire... Non, il manque un coffre. Tiens, ça ce sont des ventes que j'ai faites. Bon, je verrai ça plus tard, ça n'a aucun intérêt pour vous. Il reste un coffre qui est là. Dans lequel il y a juste du T3, vous voyez. Il y a un petit peu de tout, mais pas grand chose. Donc je vais lui donner l'accès. Ok. Ok. Et je vais vous montrer. Je vais déconnecter ici. Donc là je suis sur mon île, donc en zone non PVP. J'ai donc aucun souci. Alors la vidéo sera très longue, hein, celle-ci, je suis désolé, enfin je suis pas désolé d'ailleurs, mais pour vous montrer certaines choses, je vais essayer de faire le moins long possible, j'accède à nouveau au monde. Et là, si je reclique sur ce personnage-là, je vais sur une autre île, la seule île à laquelle j'ai accès, c'est l'île d'Aelessar. Voulez-vous vous rendre sur l'île d'Aelessar? Oui. Et là, c'est gratuit. Donc je vais aller sur l'île d'Aelessar, qui m'a généreusement donné la permission. Il n'est pas connecté, mais bon, il est tellement gentil que voilà. Et je vais donc prendre... Alors, le sac T4, je peux pas m'en servir. Par contre, lui, je peux m'en servir. Donc, j'ai désormais une monture, un ox. Ça, on s'en fiche. Et dans le coffre-là, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux utiliser? Oui, ça. Mais pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Et ça, je peux pas encore l'utiliser. Donc, vous voyez... Pour l'instant, c'est assez limité. Donc par contre, maintenant, j'ai une monture. Vous voyez, je suis à 4 de poids. La monture me permet de porter beaucoup plus. Donc ça va me permettre de gagner énormément de temps. Et j'ai accès, normalement, je le vérifie en même temps avec vous. Vous voyez, j'ai accès, je peux crafter du tissu, je peux crafter tout ce que je veux directement sur l'île d'Aelessar. Donc ça me permet de me passer d'une guilde. Ce que je peux faire aussi, vu que je suis copropriétaire, c'est que j'ai accès au fait de placer un bâtiment. Donc,
Par exemple, je veux placer une scierie. Je vais me déplacer jusqu'à trouver un emplacement où je peux mettre une scierie. Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de... Mon île elle est pas encore au maximum. Est-ce que je peux la mettre là? Non. Est-ce que je peux la mettre là? Certainement oui. Non. Alors, il faut un terrain sableux. Donc, on va essayer de trouver un terrain sableux. Puis après ce coup-ci j'arrête vraiment la vidéo. Allez, on se dépêche. Donc là, ce sont toujours des fermes, mais je crois que j'ai pas la possibilité, j'ai plus de terrain sableux. Déjà, du fait que j'ai construit une deuxième maison, ça m'aide pas. Là, ça va pas le faire. Ah, si. Eh ben, j'ai du bol. Bah, ça va être le dernier bâtiment que je peux construire. Donc, je construis, je dois payer 100, mais je les ai pas. Donc, donc je suis grillé. Je vous montrerai ça. Je ferai ça avec ALSA. Et techniquement, voilà. Pour le construire, il me faudra 25 bois T1 et 150 pierres T2. Et je pourrais construire... Je vais l'annuler. Je pourrais construire du T2. Bon, bah, je vais vous laisser là pour cette fois. Ce bâtiment-là, je vous expliquerai ça plus tard. Je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Vous voyez qu'on avance tout doucement, mais sûrement. Vous allez voir l'évolution des personnages, du personnage. On va choisir une branche, etc. Je dis pas que ça va durer 107 ans, les vidéos sur là-dessus, mais le but, c'est que vous démarriez dans le jeu avec de bonnes bases. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve très très bientôt pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et donc, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, ALSA vous salue bien bas. Ciao !